Bonjour, c'est Nathalie en herbe. Je suis en train de faire des bols de glace. Puis là, je me suis dit, OK, je vais l'ouvrir live devant vous. Comment je l'ai fait? Vous allez trouver à la page 194 et 195, le recul, dans le livre des fleurs dans votre assiette, comment faire des bols de glace. Celui-ci que je vous montre dans le livre, c'est un bol rond, que ça vous prend deux bols en plastique. Il y en a qui veulent l'essayer aussi avec des bols en métal là, qu'on a en cuisine. Moi, je l'ai testé avec deux bols comme ça en plastique différentes grosseurs. Et ça a donné ceci que vous allez trouver dans le livre et la façon comment le faire. C'est pas compliqué, ça prend juste un petit peu de doigté. Et là, j'en ai fait un carré. Ça vous prend un 2 litres en carton. Moi, j'ai demandé à des gens de m'y garder et 1 litre en carton. J'ai commencé par faire le fond. Si on voit que j'ai mis des fleurs comestibles avec de l'eau, c'est en train de fondre un peu, là, mais là, c'est glacé. Pour ensuite que je puisse mettre le deuxième carton, le 1 litre, et rajouter des fleurs comestibles que vous avez au jardin ou un petit peu partout. Tenez, ils sont belles. Il y en a beaucoup là, ces temps-ci, que c'est vraiment une belle façon là, d'en passer beaucoup et de faire un beau centre de table, de mettre une belle bouteille du style liqueur ou limoncello. Que ça prend une bouteille comme ça, là, plus longue aussi, pour rentrer bien dans ce format-là de carton. Là. Que, là, je l'ai avec moi. J'ai une prise là, pour faire mon vidéo. Que, je vais la démouler, puis je vais vous montrer comment c'est beau. J'imagine que c'est très joli. Oh, puis là, ça fond. C'est bon. Nouveau genre de vidéo. Oh, OK. J'avais commencé à découper un petit peu. Wow! Vous allez voir. OK, je vais vous montrer de même. Ah, wow! OK, c'est beau. Ah, c'est beau. Ah, c'est froid. Puis là, ben, l'autre carton, tu te bats un petit peu avec. J'ai emmené un linge. Oh boy. Okay. Il a comme collé dans le fond. Mais ça se détache, là. Dans ma cuisine, ça serait peut-être plus facile. OK, je vais l'avoir. Oh, il est beau, hein? Oui, vraiment beau. Celle-là en couche. Oh, je peux pas garder ça longtemps dans mes mains. Là, ma bouteille, elle rentre dedans. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer live. OK, là, ça dégoûte. Fait chaud. Ah, peut-être ma bouteille de vin va rentrer de cette façon parce que là, les parois vont être plus minces. OK. Que vous avez compris le principe. Ça prend un litre, un carton, 2 litres. Un carton, 1 litre. On fait un fond de 3 à 4 à 5 cm. On met des fleurs. On met des objets lourds dans le 1 litre. Puis là, après ça, on met une partie de fleurs et d'eau, on congèle, après ça, ainsi de suite. Parce que si vous le faites juste en une fois, je me dépêche, ben l'eau coule. C'est que toutes les fleurs vont monter à la surface. Que ça va être beau, hein? Vraiment. Que faites-en, puis écrivez-moi là, quand vous allez faire des petits bols, des gros bols. Toutes sortes de bols. Merci.